Cette première année de terrain a été évidemment extrêmement formatrice, mais aussi je me suis, au retour, retrouvé dans un certain dénuement. J'avais ni argent, ni maison, ni quoi que ce soit. Et donc j'ai un ami de l'université qui était Josy Dubié, qui était rentré à la télévision et qui me dit, d'abord il m'a prêté de l'argent, ce qui était sympa parce que je n'avais plus un sou, et puis il me dit, est-ce que tu écoutes toujours la radio, tu lis les journaux, etc. Mais j'ai dit, bon, les journaux en brousse, c'est limité, mais la radio, oui, j'écoute beaucoup la radio. Il dit, parce qu'il y a des examens de recrutement à la RTBF, donc la radio-télévision belge d'expression française. Et vas-y, y a un quid, ou des questions. Si tu passes le quid, après, il y a des rédactions écrites, etc. Et puis finalement, il y a un oral. Et donc, j'ai fait ça et j'ai réussi. En fait, je crois que le grand atout que j'ai eu, c'est que tout le monde répétait à peu près la même chose, les gens qui sortaient des écoles de journalisme et tout ça. Et moi, à l'oral, je revenais de chez les Binyanka du Mali. Donc, les jurys s'est un peu réveillé tout à coup en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai réussi. Donc, je suis rentré à la télé et là, j'ai commencé à la radio. Et puis après, au journal télé, où j'ai eu un patron qui était formidable, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui est Pierre Delroque, et qui, au bout d'un temps, voyant ce que je faisais, etc., m'a demandé de faire des petites pages de société dans le journal de 20 heures. Et donc sur l'histoire du pain, l'histoire du travail, la distinction de Bourdieu, je me rappelle avoir fait des choses qui passaient dans le journal télé, c'est quand même inimaginable. À l'époque, c'était des trucs de 3 minutes. Hein. Et ensuite, j'ai proposé une émission documentaire, parce que j'avais un contact avec Brian Moser, qui est un Anglais. Qui avait créé avec Foreman Disappearing World, qui était un peu l'anthropologie du sauvetage, les dernières civilisations qui meurent, etc. Mais où c'était quand même des équipes professionnelles de la télé qui travaillaient avec un anthropologue professionnel partout dans le monde. Ils ont fait, ça a duré des années. Hein. Et donc avec Catherine de Clipel, qui était photographe, mais qui avait envie de faire des films et qui avait un peu de sous, on a commencé à étudier la manière dont ces programmes s'étaient faits. On est allé leur rendre visite partout, en Angleterre, etc. Et on a fait un projet qu'on a proposé en faisant nous-mêmes un film par an et en achetant les autres dans les festivals. Et ça s'appelait Planète des Hommes, et c'est un programme que j'ai eu pendant 18 ans, je crois, à la télévision. Donc je l'ai même continué en partie, et même après que j'ai été recruté à l'école des hautes études. Et donc c'est un accident de carrière, mais qui m'a permis de renouer les deux brins, et donc là quand même l'espèce d'ancestralité de Rouche et tout ça a joué là-dessus quand même aussi. Et évidemment, j'ai fait ma thèse très lentement, puisque j'avais un boulot quand même à la télévision qui me prenait beaucoup. Donc, tous mes étudiants qui sont dans cette situation aujourd'hui, je les engueule parce qu'ils mettent trop de temps pour faire leur thèse, mais moi, j'ai mis 10 ans moi aussi. Et donc, ça a donné un bouquin et un film qu'on a tenu à publier ensemble, qui était Les Chemins de Nia. Et le Nia, c'est un culte de possession qui n'est pas exactement sur le même modèle que les films de Rouche chez les Sonrailles, et qui est d'une certaine manière moins emprise sur une histoire moderne. C'est-à-dire que c'est un culte de possession qui n'emprunte rien au monde des Blancs, au monde de l'islam, etc. C'est assez curieux. Et donc c'est un culte anti-sorcellerie, où un homme les possédés sont des hommes, alors que dans beaucoup de cultes de possession, la majorité des possédés sont des femmes. Et ils font une sorte d'expédition en brousse, suivie et encouragée par des musiciens. Et c'est en fait métaphoriquement une partie de chasse
ils sont dans un monde imaginaire qui est une autre scène où ils chassent les sorciers. Et donc, les chanteurs chantent, c'est donc des chants à texte avec qui ont une influence sur la gestuelle du possédé, etc. Et donc, ça s'appelait Les Chemins de Nia. Et bon, c'était un peu original dans la mesure où les films étaient en général très séparés de la production académique. Et donc, on est parvenu à publier ça. Ça s'est fait aussi grâce à un changement de laboratoire, on appelle ça le laboratoire en France, les centres de recherche. Donc, dans l'héritage de Deheuche, Deheuche nous a amenés quand même à Paris, parce qu'il a dirigé un labo qui s'appelait Système de pensée en Afrique noire, et qui était l'héritage intellectuel de Griaul. Donc, le prédécesseur de Deheuche, c'était Germaine Dieterlin, et dans lequel il y avait Chartry, Adler. Et aussi mes amis, Jonker, Jespers, etc. Et donc, là, on était un peu marginaux, pas moi seulement, mais aussi Daniel Jonker. On était considérés comme des althusseriens, un peu marxisants, un peu louches. Et, pas tout à fait à l'aise avec l'héritage griolien, quoi. Et donc, on a fait un transfuge, on est passé à l'école des hautes études, un peu grâce à Françoise Héritier et à Marc Auger, parce que j'avais voulu faire des émissions avec Françoise Héritier, et même un projet de film. Et ça ne s'est pas fait, mais du coup, elle nous a fait rencontrer Marc Auger, qui m'a dit, mais enfin, vous êtes en bonne santé, vous avez plutôt la tête bien faite, on devrait vous faire travailler. Et donc, il m'a encouragé à postuler dans son centre d'anthropologie des mondes contemporains. C'était marqué déjà une différence avec le côté système de pensée en Afrique noire. Et donc, j'ai un peu changé de labo, et aussi j'ai posé ma candidature à l'école des hautes études. Donc comme j'avais publié ce livre et ce film sur les chemins de Nia, etc., et puis Jean Bazin m'a beaucoup aidé aussi, et d'autres anthropologues. L'école est un lieu très particulier, c'est que les professeurs sont élus. Et donc toutes les disciplines des sciences sociales élisent aussi dans les autres disciplines. Donc il y a un système de rapporteurs avec des avocats qui plaident pour tel et tel candidat. Bon, c'est très contesté comme système, mais c'est quand même très différent des systèmes des facs où c'est en général deux ou trois profs qui décident qui sera le prochain titulaire, quoi. Donc c'est malgré tout un peu plus ouvert que le... Et donc j'ai été recruté, là ça c'était en 87. Et ça c'était un nouveau départ parce que je j'étais devenu chercheur professionnel, quoi, disons. Et ça m'a permis de développer une activité un peu cohérente et de suivre plusieurs types de possessions, parce qu'il y a le système du NIA qui est assez intéressant. Mais il y a aussi d'autres cultes de possession, des cultes de chasseurs, des cultes guerriers. Alors les cultes guerriers, ce sont, comme il n'y avait plus de guerre, c'était un petit peu un problème, et même la chasse c'était un problème aussi, il n'y avait plus beaucoup de chasse, hein. On a exterminé beaucoup du gibier, etc. Et donc c'est devenu un peu métaphorique pour la lutte contre l'entropie et la dévoration interne, la sorcellerie, etc. Et donc avec un langage très décalé qu'il faut pouvoir décoder, quoi. Donc c'est à la fois un exercice exégétique sur les chants, les prières, etc. Il n'y a pas de glose, il n'y a personne qui explique le but du culte. Et en général, ils sont à la fois multifonctionnel, c'est-à-dire un culte sert à tout, la santé, l'agriculture, la chasse, le tissage, la forge, etc. Et aussi, ils tendent à se spécialiser. Donc il y a ce double mouvement de polymorphisme et de spécialisation. Et c'est chez les Binyanka et aussi les Bambara, ce qu'avait pas voulu voir Griaul, il y avait beaucoup de fétiches, entre guillemets. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est un mot maudit un peu, parce que
c'est un mot qui a servi à construire l'opposition entre les primitifs et les, entre parenthèses, développés. Hein. Et donc, Marcel Mauss, en 1908, disait qu'on devrait proscrire définitivement ce terme péjoratif de notre vocabulaire. N'empêche que lui-même a continué à l'employer parce qu'on n'a jamais su par quoi le remplacer. Et donc, on avait le choix entre réhabiliter le terme, en le décolonisant, si on veut, ou employer des néologismes, hôtel portatif, ou des choses comme ça, qui rendaient un peu mal compte de l'objet fort, quoi, l'objet puissant. Et donc, on a beaucoup de problèmes de terminologie en anthropologie, hein, entre divinité, déité, puissance, etc. Enfin, bon, on n'arrête pas de se quereller là-dessus, mais en fait, il n'y a pas de bons mots, puisque les mots adéquats sont les mots indigènes. Mais si on écrit en langue indigène, on n'a pas beaucoup de lecteurs, donc, ni de comparaisons possibles. Donc, on a tous des mots inadéquats dans notre vocabulaire. Et donc, j'ai continué à étudier tous ces cultes jusqu'à une certaine époque. J'ai cessé d'être strictement chez les Minyankas, donc je suis allé un peu chez les Bambara, voir un peu dans le Baninko et tout ça. Et donc là, il y avait des phénomènes similaires. Alors je me suis rendu compte qu'en fait, tout le Mali devait ressembler beaucoup au Dogon. À une certaine époque, ou au Mossi, les Mossi précoloniaux, avec des attirails assez spectaculaires, des costumes, etc., mais qui ont été laminés évidemment par les djihad musulmans. Dans des villes comme Bougouni, etc., il y avait des traces de cultes assez, avec des instruments de musique fabuleux et tout ça, des tambours à fente et des choses comme ça. Et puis il y a un Malien aussi qui a travaillé un peu là-dessus, même beaucoup, c'est Salia Malé, qui a fait une thèse en France. Et thèse qui malheureusement n'a pas été publiée, mais qui était sur le Djo. Le Djo étant un concept un peu compliqué, parce que Djo veut dire culte, mais c'est aussi le nom propre d'un culte particulier, qui est un peu comme le Nya, qui ressemble au Nya. Mais qui est dans une autre région, entre les Malinkés et les Bambara. Et donc, mais avec Salia Malé a fait une expérience assez intéressante, c'est qu'il y avait des objets qui avaient été volés. On vole des objets d'art, entre guillemets, hein, ce qu'on appelle erronément les antiquités africaines. Ou les arts primitifs, etc., c'est une grande bêtise. Hein. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un art primitif. C'était des arts contemporains, en fait. C'était là, sous nos yeux. Mais on les volait beaucoup. Et donc, il y avait un objet qui avait été récupéré par la police et qu'on a voulu rendre au village. Et les gens du village. C'était vers Dioïla, là je ne me rappelle plus exactement le nom du village. Et les gens ont dit non, non, nous on n'en veut pas, cet objet a été souillé, il n'a pas été traité d'une manière adéquate, les sacrifices n'ont pas été faits, etc. Donc vous pouvez le garder, c'est le musée national de Bamako qui était opérateur dans cette affaire. Mais ils ont demandé qu'on les aide à financer la création d'une nouvelle statue, une nouvelle sculpture. Ce qui a été fait, et Salia Malé était un peu chargé d'organiser tout ça, et il s'est mis dans une promotion d'initiés qui allait. Donc c'est un exemple un peu unique d'un chercheur malien qui s'est initié à des fins aussi, entre guillemets, scientifiques. Il a écrit une thèse magnifique. Avec des photos impressionnantes aussi, qui n'est malheureusement pas publiée. Et bon, ce serait une question à lui poser. Je ne sais pas si aujourd'hui il est toujours en vie, Salia Malé vient d'accéder à la retraite, mais j'ai l'impression qu'il a eu un peu les jetons. C'est-à-dire, c'est des domaines assez sacrés. Et les anthropologues du cru, si on veut,
ont eu pas mal d'ennuis. Par exemple, leur maladie et leur décès sont souvent attribués au fait qu'ils auraient un peu trop fricoté avec les Européens et vendu des secrets des anciens, etc. Alors, à ma connaissance, on n'a pas vraiment accusé les anthropologues blancs de ça, mais les gens du lieu, oui, c'est arrivé avec Dominique Traoré dans les années 40, et puis qui avait écrit un bouquin sur les traitements par les plantes. Et ça, c'est très secret, évidemment, et c'est ce qu'on appelle le guéridon, la connaissance des arbres. Et aussi, c'est arrivé à Wakamisoko, qui travaillait avec Youssouf Tata Cissé, qui ont écrit deux volumes qui s'appellent La Grande Geste du Mali, qui est la geste de Soundiata, enfin une des gestes, parce qu'il y a beaucoup de versions. Mais on a aussi accusé Wakamisoko d'avoir vulgarisé. Les cultures africaines anciennes, enfin non musulmanes, elles ont un problème, c'est qu'elles sont basées sur le secret et l'initiation, et donc les vulgariser est un interdit. Et donc il y a là une petite antinomie avec le projet des sciences sociales, qui le savoir n'est pas quelque chose qu'on distribue au maximum de gens avec le maximum de liberté. Au contraire, on multiplie les conditions, et ce qui est aussi une organisation d'un pouvoir. C'est un pouvoir où le message est ésotérique et sophistiqué parce qu'il est aussi aux mains des anciens, etc., avec peut-être de temps en temps des possibilités de faire une ascension fulgurante pour quelques jeunes gens exceptionnels, on dit des jeunes à fond de vieux, on dit en bambara. Et donc cela quand même arrive à percer, mais c'est quand même un peu un pouvoir des anciens et qui ne se communique pas. Et donc par rapport à l'islam qui lui faisait une propagande systématique, ils étaient évidemment battus d'avance. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que ces systèmes anciens étaient très ouverts sur le plan intellectuel. C'était fermé sur le plan de l'organisation, avec des initiations, des rites, des conditions, etc. Mais on pouvait amener des cultes nouveaux. Et on encourageait les jeunes à se balader en disant « Allez faire le monde ». Et donc ils revenaient avec des savoirs venus d'ailleurs, etc. Il y avait des emprunts, etc. Et donc quand l'islam est arrivé, ils ont dit « Pourquoi pas si, ?» Un dieu nouveau, c'est toujours bienvenu. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'évidemment, ils faisaient entrer un cheval de Troie autrement dangereux. Et ils ont été stupéfaits d'apprendre que les leaders musulmans ne demandaient pas simplement le droit d'exercer, mais ils demandaient le droit d'exercer exclusivement. Il fallait renoncer à tout. Alors là, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, les deux programmes étaient antinomiques. Et ils ont perdu, évidemment. Ils ont perdu. Mais avec quand même des créations nouvelles, des formules intermédiaires, etc. Ce qui n'est pas non plus proprement. On a parlé d'islam noir, ce n'est pas forcément une bonne formule. Parce que dans les pays arabes aussi, il y a des mélanges, des hybridités, des fécondations mutuelles et des surgissements de cultes un peu particuliers qui sont plus ou moins bien tolérés par l'islam. Et aussi l'islam est lui-même très diversifié entre les soufis, les wahhabites et tout ça. Donc il y a des luttes d'influence et il y a des mouvements... au Mali d'ailleurs, qui sont assez puissants aujourd'hui, wahhabites, qui sont à la fois... Alors eux ne s'appellent pas non plus comme ça, ils se disent islam réformé, mais ils sont inspirés soit par le Pakistan, soit par les pays du Golfe, et ils ne tolèrent pas la possession, la divination. L'islam des confréries soufis est assez tolérant à ces manifestations-là. Et même la divination, les possédés sont des devins. C'est ceux qui peuvent voir un peu les rapports de force
nature-culture, entre ancêtres et vivants, etc. Et ils ont adopté, c'est là qu'on ne sait pas non plus ce que c'est qu'une religion primitive ou précoloniale, ils ont adopté un système de divination arabe, qui est la géomancie, donc les signes dans le sol. Simplement, au lieu d'avoir comme figure des signes des ancêtres illustres de l'islam, plus ou moins liés aux prophètes, c'est des dieux de la foudre, des dieux sous-marins, etc. Enfin, toutes sortes de symboliques qui n'empruntent assez peu, qui sont du terroir, quoi, qui sont... il y a aussi le fait que, donc on a divination à partir probablement d'un traité arabe d'Ezzenati, qui a circulé en Afrique de l'Ouest au Moyen-Âge, et qui a fait des émules, et qui est transformé en transmission orale, et qui a été réapproprié par toutes sortes de... Alors c'est un vrai mystère, hein, c'est un vrai mystère international, parce qu'on le retrouve jusqu'à Madagascar, etc. Et on ne peut pas refaire une généalogie précise. Mais il y a le même système de signes, de cases, etc. Il y a le même combinatoire mathématique, qui a été étudié au Tchad par Jolin, par exemple, Robert Jolin. Épicher les Bambara par Christian Berthaud. mais là, c'était complètement intégré dans les cultes de possession. Et les possédés ont deux sources d'informations. C'est la géomancie, où ils consultent hors possession, quand même intéressant aussi. Et ensuite, ils ont aussi le rêve. Et le rêve est assez important. Et donc, on pourrait dire que les possédés du Nya, par exemple, sont des médiums. Ils ont une information et ils la révèlent. Et c'est aussi le contraire d'un fatalisme. Le destin compte beaucoup. On peut souffrir de fautes qui ont été faites par des ancêtres, mais il y a des recours. Il n'y a jamais rien qui n'est pas de recours. Et là, on prescrit des rites pour influencer le cours de sa vie. Donc c'est assez intéressant parce que les gens sont rarement désespérés. Les gens qui vont voir les chefs de culte et les possédés sont des thérapeutes. Et ils ont toujours quelque chose à proposer, il y a toujours une porte de sortie. Donc on ne trouve pas de gens, même avec des maladies très graves, complètement désespérés. Il y a des recours. Et donc c'est ce qu'on appelle les choses à faire. Les choses à faire, c'est les rites. C'est les rites. Et oui, alors ça veut dire aussi que c'est des systèmes extrêmement, extrêmement dynamiques, hein, extrêmement... il n'y a pas un texte... Nous, on est très obsédés par les textes, parce que nos chartes comptent beaucoup dans la vie des Occidentaux, et aussi dans la vie des musulmans, à cause du Coran. Là, au contraire, il y a une sorte de prévention contre la glose. Quelqu'un qui dirait avoir une version définitive de la définition du monde serait considéré comme quelqu'un d'assez bloqué intellectuellement. Au contraire, il y a une quête et un principe d'incertitude qui est reconnu presque, disons, philosophiquement. Et donc on est toujours en train d'essayer de voir clair dans ce qui se passe. Et là intervient aussi une notion sur laquelle je reviens, c'est celle de fétiche, parce que où est le dieu dans ces cultes? C'est assez difficile à dire, puisque quand le possédé est pris, il parle au nom du dieu. Il dit, vous savez que je suis le Nya, vous savez que je ne date pas d'hier, est-ce que je date d'hier? Il dialogue avec les gens, etc. Est-ce que je date d'hier? Est-ce que je me suis déjà trompé? Est-ce que ma parole n'est pas claire, etc. Et en même temps, il transporte sur son dos, en état de possession, trois sacs qui comprennent des objets fabriqués, qui sont des petites cosmologies, c'est-à-dire des petits microcosmes. C'est des boules
d'objets divers, des fragments soit de l'industrie humaine, des outils ou des éléments de forge, etc., miniatures, des plantes, des morceaux ancestraux, des os d'ancêtres, etc. Le tout lié avec des fils, fils là aussi qui ressemblent à s'y méprendre au tafo des musulmans, c'est-à-dire qu'on noue des fils en faisant des nœuds. Et chaque fois qu'on fait un nœud, on fait une incantation qui a un objectif particulier. Et tout ça est enrobé et puis doit être nourri. Ces objets, s'ils ne sont pas nourris, ils dépérissent. Et donc, c'est des objets vivants, d'une certaine manière, et donc on sacrifie des animaux dessus, et ces animaux étant des poulets et des chiens. Et donc, là aussi, aujourd'hui, c'est devenu un grand interdit, parce que l'islam trouve. Et on a un peu même stigmatisé les Minyankas comme bouffeurs de chiens, mais en fait, toute la vallée du Niger mangeait du chien, y compris chez les Mossi, chez les Dogons, chez les gens de Bougouni, les gens de Bamako, etc. Mais ça a été un peu oublié par l'histoire, et maintenant c'est réservé à une petite minorité mal vue, parce que mangeur de chiens. Et le chien est un succès d'année, ou un bouc émissaire, si on peut dire, parce qu'il incarne le sorcier. C'est pas du tout. C'est pas du tout le qu'on s'assimile à qu'on deviendrait Dieu par le sacrifice, pas du tout. C'est une victime, c'est quelqu'un qui c'est une il incarne un sorcier qui a été chassé par le Nya et qui a été mais on le mange. On le mange aussi pour s'incorporer une force sorcière. Et donc il y a une énorme ambiguïté sur la notion de sorcellerie, parce que il y a une sorcellerie qui est le fait de dévorer l'autre, hein, donc on le mystiquement, disons, la personne dépérit parce qu'il est dévoré par un sorcier. Mais il y a aussi une sorcellerie qui est le savoir. Donc on n'est pas quelqu'un de, on n'est pas un savant si on n'a pas quelques connaissances sorcières. Et donc c'est là qu'il y a une petite ambiguïté, parce que tout homme laisse penser ou laisse deviner aussi qu'il en connaît un bout. Hein, et ça ouvre un chapitre aussi du rapport homme-femme.